Vous êtes sur Face Télévision, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons ce journal au Kenya où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a préparé à la prestation de serment du cinquième président du Kenya, William Samoei Ruto. Suivez le déroulement de cette cérémonie dans ce commentaire de Patrick Michel Couillou. Le Kasarani Stadium de Nairobi était déjà noir de monde aux premières heures de la matinée de mardi. Le peuple kényan a répondu présent à ces grands rendez-vous qui consolident un peu plus encore sa démocratie. Ovationnés à tour de rôle par la foule, les invités de marque annoncés sont eux aussi de la partie. Samia Sulu de la Tanzanie, Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville ou encore Félix-Antoine Tshisekedi de la République démocratique du Congo, c'est une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements africains qui ont investi la tribune. Les juges de la plus haute cour kényane installés à leur tour, le quorum est atteint et c'est à cet instant que tout le stade va se lever pour accueillir le nouveau premier citoyen du pays, William Samoei Ruto, accompagné de son épouse, la désormais première dame du Kenya, Rachel Ruto. Derrière lui, Uhuru Kenyatta, le président sortant, rejoint lui aussi le stade. Il passe les troupes d'honneur en revue avant de rejoindre la tribune pour retrouver ses homologues de parcours. Vint alors le moment M. Main gauche sur la Constitution, William Samoei Ruto répète le serment après la juge présidente. I, William Samoei Ruto, without fear, favor, affection, or ill will, so help me God, so help me God. Tumpongeze tena kwa makofi. Même exercice pour le nouveau vice-président Rigathi Gachagua. Principe constitutionnel oblige, Uhuru Kenyatta a officiellement remis les attributs du pouvoir à son successeur qui porte désormais les charges qui étaient siennes. Les premiers mots du nouveau président sont ceux d'un rassembleur qui, dans la foulée, va annoncer une série de réformes dans différents domaines. La démocratie kenyane a visiblement atteint une certaine maturité qui oriente les actions de ses dirigeants. Des vertus qui inspire les jeunes démocraties comme celle de la République démocratique du Congo, qui tous les jours, ou presque, conjugue des efforts pour protéger les acquis de sa toute première alternance pacifique. Le cinquième président du Kenya après l'indépendance a quitté le stade en fin d'après-midi, direction le State House, pour une brève cérémonie de remise-reprise avec son prédécesseur, Uhuru Kenyatta. Changeons de chapitre, réforme et redynamisation de l'inspection générale du travail. Ce 14 septembre 2022 à Kinshasa, à l'hôtel Rotana, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a procédé au lancement officiel de l'atelier de processus de recrutement des candidats, inspecteurs contrôleurs de travail et des agents de l'administration de l'inspection générale du travail. Raissa Kitambala nous en dit plus. Lancé le mercredi 14 septembre 2022, l'atelier sur les processus de recrutement des candidats inspecteurs et contrôleurs du travail. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est résolument engagé sur la voie de la réforme et de la dynamisation de l'inspection générale du travail qui fait face à plusieurs difficultés depuis sa création. C'est dans cette optique et conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui tient à l'amélioration des conditions de travail en RDC. Dans leurs modestes circonstances respectives, les deux membres du gouvernement qui pilotent ces processus de recrutement, à l'occurrence Jean-Pierre Liao, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, et Claudine Ndossi, ministre du Travail, ont souligné l'importance de l'inspection générale du travail dans le monde du travail en RDC.
Lançant officiellement ce processus au nom du président de la République, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a témoigné l'importance qu'il accorde personnellement à la réforme et à l'inspection générale du travail, raison pour laquelle il a tenu à présider cette cérémonie. Samalou Kondé a par ailleurs réitéré l'engagement de son gouvernement à tout mettre en œuvre pour offrir aux travailleurs les conditions d'un travail décent. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a enfin exhorté ses concitoyens, les organisations professionnels du travail, des travailleurs, des employés ainsi que le partenaire au développement à s'approprier cette réforme qui vise à recruter, à former, à équiper ainsi que à déployer les inspecteurs du travail sur toute l'étendue du pays. Au total, 2000 recrues sont attendues à l'issue de ces processus pilotés par les ministres du Travail, Emploi et Prévoyance sociale et les ministres de la fonction publique sous la coordination du Premier ministre et chef du gouvernement. En termes, ces processus devaient permettre de redynamiser l'inspection générale du travail en augmentant les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail, dont les nombres actuels très faibles n'offrent pas la possibilité de couvrir l'ensemble du territoire national à ce qui concerne le suivi de toutes les questions liées au travail. Précisons que l'inspection générale du travail compte présentement un effectif de 212 personnes, dont 85 inspecteurs du travail pour l'ensemble de la RDC. Je suis très heureuse. Le Premier ministre a bouclé sa visite de travail dans la province du Kasaï oriental. Jean-Michel Samalou Kondé est rentré tard dans la nuit du 13 septembre 2022 et la même soirée, le chef du gouvernement a écouté les différentes couches sociales de la population, notamment les confessions religieuses, les autorités coutumières et autres. Suivez le détail. Le Premier ministre a mis cette série d'audiences par la délégation des confessions religieuses du Kasaï oriental, conduite par Mgr Sylvain Lounyengue. Ces hommes de Dieu ont remercié le Premier ministre pour l'honneur qu'il a accordé en acceptant de le recevoir. Pour eux, Jean-Michel Samalou Kondé Kengui est le tout premier Premier ministre à poser ce geste une fois arrivé dans leur province. Sur les tapis, plusieurs défis de notre province. Les membres lui ont exprimé leur gratitude, surtout pour avoir été le premier premier ministre à fouler le sol kassaïen, à recevoir les membres du comité des confessions religieuses. L'occasion faisant les larrons, ils ont posé le problème de développement de leur province qui, selon eux, est possible avec les efforts fournis par le Premier ministre et tout son gouvernement. Ce développement qui doit aussi passer par l'amélioration des infrastructures de base. Nous, chefs traditionnels de la province du Kasaï oriental, réunis au sein de l'ANATC, nous souhaitons la bienvenue sur le sol kassaïen. En ce moment de votre visite de travail dans notre province, nous vous rassurons de notre indéfectible soutien et à votre gouvernement et à toutes les actions salvatrices du président de la République, Félix Antoine. Pour faire 1000 km, il faut commencer par un pas. C'est la réponse du Premier ministre à ses interlocuteurs. Les chefs du gouvernement est du reste conscient que le chantier est vaste, mais cela sera mené à terme si l'on se tient main dans la main. Et je vais recevoir les doléances que vous allez donner tout à l'heure. Et le mémo suivra avec le ministre Panda, comme il a annoncé. Moi, je voudrais juste vous inviter, vous sensibiliser. Parce que nous avons la gestion politique. Mais vous avez la gestion des hommes et de la terre. Vous n'avez pas de mandat. Nous, on a un mandat. Vous n'avez pas de mandat. Mais vous devez aussi œuvrer pour la paix dans notre pays. Vous devez œuvrer pour sensibiliser nos populations pour qu'on n'ait pas de conflit entre nous. Les chefs coutumiers ont l'habitude de se retrouver. Tous les chefs coutumiers du pays ont l'habitude de se retrouver. Et donc aujourd'hui,
surtout parce que le chef de l'État y tient, nous faisons passer ces messages de paix, ces messages de lutte contre le tribalisme, parce que c'est aussi votre responsabilité de sensibiliser les populations contre ce fléau et garantir, bien sûr, parce que vous avez aussi quand même quelque part une forme de justice que vous assurez, permettre que tous les peuples, puissent vivre ensemble et en harmonie et en amour. Juste après les confessions religieuses, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a conféré avec les autorités traditionnelles qui ont salué les efforts du chef du gouvernement dans la recherche de la paix. Juste après les confessions religieuses, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a conféré avec les autorités traditionnelles qui ont salué les efforts du chef du gouvernement dans la recherche de la paix, gage de tout développement dans les différentes provinces de la RDC. Signalons que, juste après ces différents échanges, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a regagné Kinshasa, siège des institutions de la République. Toujours dans le même chapitre, le chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde, déterminé d'apporter des solutions idoines aux multiples préoccupations socio-économiques soulevées par la population du Kasaï central, telle que soumise par les élus de cette province. Les installations de la SCPT à Lukelenge ont constitué la première étape de la visite sur le terrain Mbujimayi. Accompagné du gouverneur de la province du Kasaï oriental et de plusieurs autres personnalités, Jean-Michel Samalukonde Kwingye a voulu en savoir plus sur les questions des matériaux destinés à la construction de maisons préfabriquées destinées aux militaires, matériaux entreposés par la société Samibo. Des explications claires ont été fournies au chef du gouvernement par le responsable, notamment en rapport avec le retard pris dans la matérialisation de ces gigantesques projets du chef de l'État qui visent à en doter les forces armées de la République démocratique du Congo des logements dignes. Soucieux de voir la situation de la déserte en eau et électricité s'améliorer, au profit des fils et filles du Kasaï oriental, Jean-Michel Samalukonde Kwingye a parcouru une route de 30 km en terre bâtie pour atteindre le barrage de Tchala dans le village de Bakwaboa. C'est là, à la grande satisfaction de la population, qui n'a pas caché sa joie face à ce geste du chef de l'exécutif national. Sur place, le Premier ministre a reçu des informations sur les difficultés de fonctionnement de ce barrage. Hydroélectriques qui, grâce à l'appui de la MIBA, pouvait desservir la cité de cette société minière et une grande partie de la ville. Malheureusement, cet important barrage connaît aujourd'hui des problèmes de fonctionnement à cause de la vétusté des machines. Faisant le suivi de la gratuité de l'enseignement de base, vision du chef de l'État, le Premier ministre Samalukonde Kwingye a voulu palper son effectivité dans le Congo profond. C'est l'école conventionnée Epe Lukanu qui était à l'honneur. Capitaliser la visite surprise de la haute hiérarchie du gouvernement central, le directeur de l'école, M. Mukunambui, a plaidé pour la retraite des enseignants de son établissement et l'élargissement des bâtiments. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a encouragé les élèves à ne pas abandonner le chemin de l'école car il constitue l'espoir de l'avenir. Aux responsables de l'école, il a promis de tenir compte de leurs désidérata. Nous sommes à l'Assemblée nationale de Kinshasa. Prenons cette information en brève. 15 septembre, c'est demain. Le rendez-vous est déjà fixé pour les élus nationaux de faire leur retour à l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour une session purement budgétaire. Déjà, le rapporteur de cet organe délibérant a lancé un communiqué invitant les députés à prendre part à la plénière dans l'ordre du jour et l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2022, signalant que le gouvernement avait déjà tout mis en œuvre pour l'élaboration du projet du budget 2023, évalué à près de 15 milliards de dollars américains, projet qu'il a affirmé déposer dès cette rentrée parlementaire.
entourent à l'est de la République démocratique du Congo, luttent contre la politique d'antivaleur au sein de forces armées en Ituri. Deux colonels et sept autres militaires comparaissent dans le dossier de meurtre de deux ressortissants chinois au village Nderembi, en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Des vérités ont éclaté à l'audience publique tenue par la cour militaire de cette province. À vous. Il a fallu de longues heures d'interrogations et d'auditions de témoins pour que le colonel Mukalenga, désormais prévenu, confirme son voyage pour Butembo le 23 mars, et cela juste après le meurtre de deux ressortissants chinois le 17 mars 2022 et rentré clandestinement à Bounia 4 jours après. Le 24 mars 2022. Des indices qui confirment son implication dans cette opération criminelle, estime le ministère public. Selon le colonel magistrat Kumbunguma, ses déplacements étaient pour fuir avec les 4 lingots d'or emportés pendant l'attaque de convoi de Chinois vers Nderembi. Et nous nous disons, le prévenu Mukalenga, bien que nous ne sommes pas pour ce cas, il n'est pas dans le premier conflit. Il a opéré plusieurs. Lui et le colonel Soumaïli, en état d'arrestation, sont les cerveaux moteurs de ces braquages, a dit le ministère public. Et la vérité est éclatée aujourd'hui. Nous nous inclinons. Spanda, le lieutenant Pungwe, un autre cerveau moteur cité dans ce dossier, est porté disparu. Il a été libéré après avoir versé une caution de 400 000 francs congolais exigée par la police d'investigation criminelle. Comportement condamné par la cour militaire de l'Ituri. L'auditorat supérieur militaire devra se saisir du dossier, a insisté le premier président de la cour militaire, le colonel magistrat Dienga Akelele Kelly, qui conduit l'instruction. Autre nom est celui d'un certain Bernard, l'un des criminels enfouis, jadis protégé par les prévenus. Mais avec la technicité de la cour militaire, le prévenu Joël, un taximen de Bounia, a finalement craché la vérité, disant que c'est le petit frère du colonel Mukalenga. Élément qui charge davantage cet officier supérieur, ces dossiers risquent d'éclabousser bon nombre de gens, voire de hautes personnalités militaires. Pour l'instant, deux colonels FRDC, 7 soldats de rang et un civil sont à la barre. Question de décourager la pratique d'antivaleur au sein de l'armée. L'audience se poursuit le 16 septembre à la tribune officielle de Bounia. D'une province à une autre, conflit Tekeyaka à Maïndombe, on en parle encore dans cette édition. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à mettre la main sur un arsenal d'armes blanches, armes de chasse, armes de guerre et le lance de main des adeptes du roi Mini-Congo à Mibé. Ample détail dans cet extrait que vous propose Marcelo Kalinda. 117 machettes, plusieurs lances, 4 armes AK-47, supposées armes de guerre et autres, ont été récupérées entre les mains des personnes en conflit entre les Teke et les Yaka, faisant partie des adeptes du roi Mini-Congo. Le coup de filet a été lancé au village Mibé, vers Ferme 7 et à Mouchetou, et c'est après l'affrontement qui avait coûté la vie à 5 militaires FARDC envoyés à Kwamout pour rétablir l'ordre public. Le Koyo, il y a beaucoup de civiques entre Yaka et Teke. Les alibas armes blanches, oyo, et tangisi makila ya batu. Oyo, le loba misusu bakati ba omitu, ba misusu bakoti mabele. Alors, okola tozalaki na roi akitaki sur le terrain pour nous sensibiliser batu. Le tina oyo, musale salami, la arme oyo, et bimi na bandako batu, pe na maboko ya batu. Les alibas na ba preuve, les alibas armes à pamba te pre, les alibas na ba preuve, et outi na maboko ya batu. Les amis là-bas responsables, oh yo bazalaki comme tête rebelle, nous avons un chef rebelle, oh bazalaki na yango. Tout à l'heure, tous les amis na 4 AK armes de guerre, yango les amis là, tous les amis na 29, ça armes oh bazalaki na au plus haut, les amis bani yama mais comment ils vont m'abattre?
Les personnes tombées dans ce filet répondront de leurs actes pour servir d'exemple. Retour à Kinshasa, ouverture des travaux du troisième atelier sur la rationalisation des structures de prix et tarifs de produits et services de santé en République démocratique du Congo. C'est Nicolas Kazadi, ministre de l'économie nationale à des intérims, qui a lancé ces travaux mardi dernier au cadre choisi, le salon bleu de l'immeuble du gouvernement. Propos recueillis par Raïssa Kitambala. Quelle formalisation implique la rationalisation des éléments constitutifs des coûts des produits et services de santé en vue d'en faciliter davantage l'accès à une large couche de la population? Les objectifs spécifiques suivants sont assignés au présent atelier. Premièrement, identifier les taxes et redevances dont les produits de santé peuvent être exemptés dans les processus de leur importation, de leur production locale et de leur distribution sur le territoire national, et ce, dans le but d'atteindre un coût de revient équivalent à la valeur CIF augmentée de 9%. Deuxièmement, améliorer et finaliser le projet de décret relatif au système national d'approvisionnement en médicaments essentiels, SNAM. Troisièmement, proposer des mesures d'application visant à renforcer la réglementation pharmaceutique et économique en vigueur. L'on se souviendra que par les recommandations issues de la 9e réunion du Conseil des ministres du 25 juin 2021, le gouvernement avait chargé le ministère de l'Économie nationale de poursuivre la rationalisation des structures des prix des produits de première nécessité. Le présent travail, portant sur le secteur de la santé en particulier, s'inscrit bien entendu dans ce cadre. C'est ainsi qu'aux côtés de mon collègue, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, et bien entendu de l'ensemble du gouvernement, je m'engage à tout mettre en œuvre pour que tous les actes nécessaires à la matérialisation de la couverture santé universelle soient effectivement pris et appliqués. Une lourde sanction prête à tomber pour l'équipe de Chancel Mbemba et Cédric Bakambu après Tottenham. Le club français a enfoncé le clou hier lors de la réception de Francfort dans le cadre de la deuxième journée de la compétition avec l'usage de fumigènes et des feux d'artifice. Rappelons que l'OM avait notamment été sanctionné à plusieurs reprises en Ligue Europa et Ligue Conférence. En réponse, l'UEFA a ouvert un cas de discipline et les clubs français pourraient payer cher les écarts payés par ses supporters. Une amende qui pourrait dépasser la somme de 40 000 euros et un match à huis clos. Signalons que 1500 Marseillais avaient fait les déplacements à Londres mercredi. Parmi eux figurait un certain Joe Barton qui a choqué l'Angleterre avec un doigt d'honneur. Adressé aux supporters de Tottenham, l'ancien milieu de terrain anglais à la réputation sulfureuse restait très attaché à la ville française où il a joué la saison 2012-2013. Triste nouvelle pour boucler cette grande édition du journal. Elle a tiré sa révérence ce mercredi 14 septembre 2022, la sœur Henriette Fwamba, auteure-compositrice de plusieurs chants gospel. Son titre plus connu est Sekele Yamotema, Aponingaï, Brise-moi, chrétienne du message du temps de la fin de William Branham. Signalons que la sœur Henriette Fwamba l'a décédée après une courte maladie, affirment plusieurs sources. Fin complète de cette grande édition du journal. Vous étiez nombreux en train de nous suivre en ce moment. Merci à l'équipe technique, à l'équipe rédactionnelle. Merci à vous qui nous captez depuis Kintsuka. Au revoir.